Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Reportons-nous d'abord à la sourate 2, 261 du Coran. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains d'épis. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Mettons cela sous forme claire. Une bonne action est comme 7 épis multipliés par 100 grains, ce qui est égal à 700 bonnes actions. Comparons maintenant avec le compte qui nous est donné dans la sourate 6, verset 160. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalence, et on ne leur fera aucune injustice. Ici, la formule devient « une bonne action multipliée par 10 est égale à 10 bonnes actions ». Question. Alors la bonne action est multipliée par, ou comptée comme, 700 ou 10 ? Peut-être qu'une troisième référence nous éclairera-t-elle sur cet épineux problème. Voyons la sourate 4, verset 40. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Voilà que maintenant, il ne s'agit plus que de doubler la valeur d'une bonne action, si bien que maintenant le nombre n'est à multiplier que par 2 et non par 10 ou par 700. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Allah a besoin de réviser sa comptabilité afin que le contrat concernant sa manière de récompenser les bonnes actions soit plus clair. Le Coran n'est pas parfait, comme le prétendent les musulmans. Il suffit d'une seule contradiction pour prouver que le Coran n'est pas parfait. Et voilà que nous avons vu en quelques minutes 3 contradictions concernant la récompense des bonnes actions données aux hommes de la part d'Allah. Maintenant, il vous suffit d'ouvrir votre Coran et de vérifier les références mentionnées dans cette vidéo pour en conclure que le Coran n'a pas été dicté par Dieu, mais plutôt écrit par des gens fourbes qui se sont trompés dans leurs mensonges. Si vous êtes franc avec vous-même, certains d'entre vous accepteront les faits. Certains d'entre vous connaîtront la vérité, et la vérité vous affranchira.